Bonsoir. Alors, une petite vidéo juste pour faire un test du support tableau de bord TNB, donc leur sous-domaine Incar. Donc apparemment un packaging recyclé, pourquoi pas. La pince, donc qui doit au moins supporter un téléphone de 10 cm de large maximum. La pince inférieure avec la surface soi-disant antidérapante, qui est ajustable, compatible smartphone GPS, et qui est donc, d'après leur dire, universel pour tableau de bord. Donc voilà, on peut le placer en théorie comme ça, il n'y a aucun risque. Donc je ne vais pas faire de test avec mon téléphone parce que c'est lui qui me permet de filmer. Mais en gros, vous allez voir que sur certains modèles de voiture, c'est pas du tout le cas. Donc voilà mon tableau de bord. Donc voilà le produit. Et donc on va faire un test tout simple. Ce qui va être de le plugger ici. Donc ça, effectivement, d'un premier abord, ça donne l'impression que c'est très bien fixé, que la surface antidérapante ne va pas déraper du tout, hein. Sauf que bah voilà, hein. Sur ce type de revêtement, donc là c'est pour la marque Chronomodus, hein. Je sais pas si ça fait pareil sur d'autres enseignes, d'autres marques, mais là sur un Chronomodus de 2009, voilà ce que ça fait. Ça glisse, ça sert à rien, et ça m'est déjà arrivé d'avoir le téléphone au bout de 5 secondes, je prends un ralentisseur et oups. Donc voilà, test terminé. Si vous avez un revêtement de tableau de bord comme ça, en écaille ou qui n'a pas du tout d'aspérité réelle ou qui est trop profond, n'achetez pas ce produit parce que bah, c'est de la merde. Voilà. C'est pas universel du tout.